adorateurs, shalom à tous ceux-là même qui ont un amour immense pour le Seigneur. Shalom à vous qui êtes connectés. Et comme on l'a dit, notre rôle à nous, à vous qui êtes connectés, c'est d'évangéliser en partageant. Moi, mon rôle, c'est de vous parler. Le rôle des uns et des autres, c'est de prier. Mais votre rôle, pour le nombre que vous êtes, c'est déjà dire aux adorateurs que nous sommes prêts. Nous sommes parés de nos vêtements. Vêtements de joie, vêtements de fête. Parce que le psalmiste a dit quelque chose qui est fort. Il dit, devant moi, en face de mes ennemis, il dresse la table. Et si vous remarquez bien dans le son, vous voyez que il y a le saxophoniste qui est là. Pourquoi? Parce que nous voulons faire sonner les trompettes dans le ciel. Parce que tous les adorateurs sont prêts. C'est pourquoi je dis tu partages, que tout le monde partage. Parce que nous sommes à notre apothéose. Notre apothéose, c'est, on va dire, le dernier jour du cheminement qui va précéder après, après l'action de grâce. Hein, ça précède l'action de grâce. Mais c'est vraiment le jour de gloire, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ va manifester sa puissance dans nos vies en tant que berger, en tant que berger. Et vous voyez, j'aime le Seigneur. Comme on dit, il y a des gens qui disent, je suis folle amoureuse de tel monsieur-là. Non, moi je suis très folle amoureuse de Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui peut me permettre de m'asseoir comme ça. C'est pourquoi je dis pour le nombre que vous êtes, vous devez partager. J'ai retenu, on va dire, trois petits témoignages, mais gros. Ma fille, je t'aime très fort. Et tu sais, il ne faut pas te sentir frustré si je mets ton témoignage. J'aime ton témoignage parce que tu disais comme ça, je ne l'aimais pas. Mais tu ne m'aimais pas parce que tu voulais me voir mourir, mais parce que ma fille disait, avec elle, c'est comme s'il n'y a jamais de problème. C'est pourquoi j'aimerais qu'on réécoute ton témoignage. Pour qu'un adorateur qui s'est connecté change d'attitude. Parce que je suis convaincue que certains sont déjà connectés, mais remplis de tristesse. Il se disait, Seigneur, à quand mon jour? Peut-être qu'aujourd'hui sera mon jour, ça ne sera pas mon jour. C'est-à-dire, le Seigneur, aujourd'hui, va utiliser encore le berger Brou pour te parler. Mais avant cela, j'aimerais qu'on écoute ma merveilleuse fille. Vous savez, depuis que j'ai entendu son témoignage, je l'aime tellement. Parce qu'elle a compris que, en réalité, c'est notre expérience avec Jésus qui fait que nous sommes comme cela. J'aimerais qu'on l'écoute. Et pendant que tu vas l'écouter, j'aimerais que ce soit pour toi un enseignement. Que tu ne viennes pas te connecter en me regardant, en se disant, ah, maman même elle est bien habillée. De toute façon, je vous avais dit que j'allais me saper. J'allais me saper parce que aujourd'hui nous allons toucher le pan de la robe du maître. Et je ne peux pas entrer dans sa présence comme ça. Non, 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 non. Je dois entrer dans sa présence avec des vêtements dans lesquels il y a de l'or. Parce que mon père est roi. C'est le roi qui veut me conduire. C'est le roi qui veut me guider. C'est pas n'importe qui veut prendre le contrôle de ma vie. Donc je dois me mettre. C'est-à-dire, lui dit, papa, je suis là. En tout cas, moi, je suis bien là. Alors, écoutons son témoignage. Allô, maman. Bonsoir, maman Jenny. C'est une de tes filles. Bon, il y a longtemps que moi, je te suis. Je ne veux pas trop commencer par le début. Mais peut-être, je veux signaler un peu ça. Je veux signaler le fait qu'au début, quand je t'écoutais. Excuse-moi pour le thème que je vais employer. Tu m'énervais. Ça m'énervait. J'ai dit, mais c'est quelle femme? Et pour elle, tout est bon. Dieu, tout est bon pour elle. Dieu fait tout, c'est bon. Nous, là même, on ne voit pas. Quelle prilandrette. Vraiment, tu m'énervais.
tu m'énervais franchement. Et puis après, je ne sais pas d'où est venu l'amour que j'ai pour toi. Après, il y a une voix qui m'a dit, mais... Il y a une autre voix qui me disait, c'est peut-être par cette dame-là que quelque chose peut se passer dans ta vie. Prends le temps de l'écouter. J'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai commencé à prendre le temps de t'écouter. C'est quand même je suis arrivée en France que j'ai pris le temps même de t'écouter, d'aller sur ta page, de m'abonner, tout ça, de te suivre réellement. Et bizarrement, quand je te suis, j'ai vraiment la paix. Je suis tranquille au fait. Parce que Amen. T'écouter m'apaise. T'écouter me rassure. T'écouter me donne de l'espoir. Ça me dit que pour moi, n'est pas encore fini. Amen. Au fait, avec toi, on voit que Dieu existe. Dieu existe. Tu ne nous présentes pas Dieu comme je peux dire, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, quelqu'un qu'on ne peut pas voir, quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Tu ne nous présentes pas Dieu comme ça. Tu nous présentes Dieu comme quelqu'un qui est réel. Quelqu'un, quand tu l'appelles, il est quelqu'un qui voit ce qui se passe dans ta vie. C'est comme ça que tu nous présentes Dieu. Amen. J'ai voulu que tu écoutes ce bout. Elle dit, tu nous présentes Dieu comme quelqu'un qui est réel. Quelqu'un qu'on peut toucher. Effectivement, on peut toucher Dieu. Toi-même, là où tu es, en ce moment où tu me regardes, sache que tu vas toucher Dieu. Pourquoi? Parce que son esprit est déjà là. Tu as marché depuis le lundi. Tu as touché Dieu. C'est parce que tu as touché Dieu que il y a tous ces témoignages et que ces témoignages s'attachent à ta vie. J'aimerais encore te faire écouter quelque chose, un autre témoignage. Le Seigneur dit au travers de Paul, dans la lettre aux Romains, ma fille, lis ce que le Seigneur dit. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Car le Christ est mort pour revenir à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Écoute-moi bien. Le témoignage, on l'avait déjà écouté ce matin. Il s'agit d'une jeune fille qui est originaire du sud, de la Côte d'Ivoire, et qui dansait les fétiches, elle est orpheline. Elle s'est retrouvée avec ses parents. Je n'ai pas voulu prendre tout son témoignage parce que le plus important pour moi, c'était de saisir que tu comprennes que Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Pendant qu'on priait, et je leur ai demandé de dire au Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de leur rappeler qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, quel acte ils ont posé. Elle n'est pas aussi lettrée que peut-être les autres. Mais pendant qu'elle est en train de prier, le Saint-Esprit va lui montrer l'assiette. L'assiette, une assiette dorée. Et eux, ils savent, parce que moi-même, je sais, j'ai déjà vu cette assiette-là. Ou souvent, c'est un caillou, c'est un truc qui est dedans. Mais vous voyez, non seulement le Saint-Esprit lui montre ça, elle se demande, mais aïe, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. Pourquoi il me montre? Elle va se coucher. Écoute-moi bien. Tu vas écouter ce témoignage. Parce qu'il faut que je te challenge pour cet après-midi. Elle va se coucher. Sa grand-mère, qui est décédée depuis des années, Christ est le Seigneur des vivants et des morts, qui avait scellé l'avenir de cette jeune fille. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire, mais sa grand-mère a été réveillée par Christ. Parce qu'elle a revu sa grand-mère dans son songe, qui est venue lui dire, viens, je vais te montrer ta vie. J'aimerais que tu écoutes et que tu saisisses et que tu te dises, même si aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il va dresser la table devant moi. Mais ça dépendra de toi. Je dis, ne regarde même pas ce temps-là. Dis-toi que il y a un cortège qui est prêt à passer. Nous l'écoutons. Bonjour, maman. En tout cas, je te suis depuis le lundi. Lundi,
où tu as commencé à faire la prière. Je suis au Maroc, je réside au Maroc. Bon, je suis ivoirien, mais je réside au Maroc. C'est une copine qui m'a parlé de vous, qui m'a dit, ah, il y a une dame qui fait beaucoup de prières sur, mais lundi, son ministère va commencer et tout ça. Donc, je me suis abonné sur ta page. J'ai commencé depuis le lundi, j'ai commencé à t'écouter, à prier avec vous. En tout cas, le lundi, mardi, mais qui dit, je n'ai pas raté de saison. Mais le jeudi, je ne sais pas si c'est jeudi ou bien, aujourd'hui, on n'a qu'à abandonner tout. On n'a qu'à demander à Dieu de nous guérir, on n'a qu'à demander à Dieu de nous aider, de ouvrir nos yeux. On n'a qu'à demander à Saint-Esprit de ouvrir nos yeux. On va regarder, on veut voir notre vie. En tout cas, le jeudi, quand je priais et il m'abandonnait à Dieu, il disait, Dieu, montre-moi, Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi ma vie. Saint-Esprit, montre-moi les trucs qui sont cachés dans ma vie. Bon, chez les abonnés, là, il y a un truc, il y a une assiette. Je ne sais pas comment t'expliquer, et puis je ne sais pas comment décrire ça. Il y a une assiette, quand les commis font les trucs là, ils mettent une assiette comme en or, comme ça, ils mettent ça devant. Et puis ils mettent l'eau blanc, kaolet, et puis les trucs dedans. Quand j'ai demandé à Saint-Esprit de me couvrir les yeux, c'est ce que je voyais. Je voyais à cette là, mais il me disait, après qu'il ait fini de prier, il me disait, mais ça là, il y a longtemps, ça fait des années même que bon, je n'ai pas, j'ai prié et puis j'ai dormi. Maintenant, j'ai vendredi, bon, je me suis couché le vendredi et le samedi. Et ma grand-mère paternelle, il y a longtemps, elle est décédée. Ça fait des années. Bon, j'étais couché là et puis c'est comme si elle est venue dans mon rêve, elle est venue m'appeler. Elle a dit mon nom à moi. Et moi, il m'appelle à moi. Elle a dit mon nom à moi. Il faut te réveiller. Je vais te montrer ta vie. Je me suis réveillée. Bon, je me suis réveillée et puis dans mon rêve, là, je la suivais. On a vu, c'est comme si on est parti au village. On a vu un foyer d'abord. Elle a ouvert la porte du foyer. C'est rempli de macharons. En tout cas, c'est rempli de poissons, macharons. Elle a fait des étages, ils ont mis ça dessus. C'est rempli. Elle a ouvert, il dit, mais aïe, mais pourquoi le poisson s'est rempli si tu ne dis pas au fil à des vannes? Elle dit, non, suis-moi seulement. Donc, je l'ai suivi, elle a ouvert deuxième. Le deuxième encore, c'est rempli de macharons. Troisième, c'est rempli de macharons. Il dit, mais aïe, il me suis arrêté, il dit, mais il y a beaucoup de poissons comme ça, et puis tu ne dis pas pourquoi on vend. Ça y est là. Moi, j'ai commencé même à crier sur mes nièces, elle dit, ah, toi, vous êtes à la maison. Elle me dit, tais-toi. Et puis, quand elle a ouvert maintenant, elle m'a regardé de haut en bas. Elle a commencé à couler les larmes. Je la voyais couler les larmes. Puis elle me dit, ma petite fille, tu es libérée. Hallelujah. Libérée maintenant. Et puis, elle a mis le titre dans ma main. Il m'a dit, tu peux partir maintenant parce que tu es libéré. Alléluia. Donc, je commençais à marcher, il partait, il a vu une de mes nièces. Il dit, ah, voilà, mémé, ce que mémé m'a donné. Tiens. Et ma nièce l'a dit, non, je ne prends pas. Si mémé t'a donné, c'est que c'est pour toi. Donc, il faut garder, c'est pour toi. Et puis, je me suis réveillé. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut sauver le Saint-Esprit? Je veux qu'il me lève et parte à l'église. Kimbara shekere bosenta ba 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 ba. Il n'a pas ton pareil. Vous voyez, c'est notre apothéose, c'est notre temps. C'est le temps que Dieu veut prendre pour nous conduire dans les verts pâturages, restaurer notre âme. Mais aujourd'hui, la table sera dressée devant toi. Dans son témoignage,
sa grand-mère, qui est décédée depuis longtemps, va revenir après le temps de repentance, d'invocation à l'esprit, va revenir lui dire, viens pour que je te montre ta vie. Or, elle avait enchaîné sa vie depuis. Mais la grand-mère de pleurer, la grand-mère qui pleure et qui lui dit, je te libère aujourd'hui. La grand-mère ne vit plus. Jésus-Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Est-ce qu'un adorateur peut dire Amen? Amen. Je ne t'ai jamais vu abandonner. Celui qui crie à toi, Seigneur. Aujourd'hui, quand nous serons dans l'adoration, si je te dis crie à Dieu, tu cries à lui. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur toi et être déçu. Oh, hey. Ah, tu es ma lumière et mon salut. Tu es le rempart de ma vie. Hey, tu es ma paix et ma joie. Oh Seigneur, 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 de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est une marche. Et vous voyez, quand on marche, c'est sûr qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui nous rejoignent pour cette marche. Et à cause de ces personnes, il est important de mettre quelques petits témoignages pour qu'ils sachent ce que Dieu est en train de faire. Amen. Vous voyez, vous avez une de vos sœurs, une de mes merveilleuses filles, qui avait l'habitude de recevoir toutes les notifications. Elle dit, je ne voulais même pas t'écouter parce que je me dis, ça va être long, elle va parler. Effectivement, maman, là, elle parle. Mais vous allez écouter ce qui s'est passé, ce que le Saint-Esprit a fait dans sa vie. Comment le Saint-Esprit est entré dans les aspects de sa vie. Ça veut dire que quand la prédication va se faire, laisse la parole de Dieu venir jusqu'à toi. Avant même qu'on ne loue, qu'on adore, laisse la parole de Dieu venir jusqu'à toi. Écoute ta sœur. Elle n'a jamais pensé que l'attitude qu'elle avait ne plaisait pas à son berger, parce que le Seigneur n'était pas en réalité son berger. Mais Dieu s'est montré le plus fort. J'aimerais qu'on lise ce passage. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. L'être ancien a disparu. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Un être nouveau est là. J'aimerais qu'on écoute ce merveilleux témoignage. Parce qu'on se rend compte qu'on est prompt à juger. Mais en réalité, le Saint-Esprit vient mettre la lumière sur notre vie. Mais pas pour nous condamner, mais c'est pour nous faire revenir au berger. Parce que nous lui appartenons. Vous tous qui êtes connectés, ne pensez pas que c'est un hasard. Vous avez été choisis par Dieu. Amen. C'est pourquoi autant que vous êtes, le nombre que vous êtes, ce même nombre-là, vous devez partager. Nous écoutons ma merveilleuse fille. Mon génie, je viens aujourd'hui vers toi pour mon témoignage. Je ne te suis pas habituellement, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je voyais tes publications, je voyais les témoignages, des fois je lisais, je terminais même pas, je trouvais que les témoignages étaient trop longs, ou bien bon, je m'occupais pas vraiment. Et puis il y a quelque temps, j'ai vu comme ça dans les actualités de Facebook que tu devais faire un cheminement.
Et je n'ai même pas regardé la date et je suis passée dessus. J'ai dit encore ces cheminements. Elle, tout le temps, c'est elle qui fait les cheminements. Bon, ça va aboutir à quoi? Et puis c'est long, ça va me prendre 2 heures, 3 heures à venir m'asseoir pour écouter ce qu'elle va me dire. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Vraiment, je ne m'intéressais pas véritablement à ce que tu faisais. Mais je savais que tu priais. J'ai été une fois même à l'adoration, au plateau chez Gérard Souli, tu es venu, j'ai aimé ta façon de chanter, mais pas plus que ça, quoi. Et puis, j'étais là lundi, quand quelque chose m'a mis en cœur, il y a un cheminement. J'ai dit cheminement, hein. Moi, je n'ai jamais fait de cheminement. Quelle histoire de cheminement? Donc, je prends mon téléphone et puis je suis en train de naviguer, de me promener sur Facebook. Quand je vois Geneviève Bourg officielle, cheminement aujourd'hui à 16h30, lundi, à partir de lundi à 16h30, je dis, bon, peut-être que c'est de ce cheminement-là qu'il s'agit. Donc, mais je n'avais pas l'esprit tranquille. Je dis que toute la journée, ça c'était à me trottiner dans la tête, ça passait dans ma tête, cheminement, cheminement, cheminement. Il dit, mais il y a quoi au cheminement même? Et puis dans le cheminement, ils font quoi? C'est pour prendre le temps des gens. 16h30, il y a mes petites émissions qui passent à la télévision, il y a mes petits films que je dois regarder vers 18h. Si je dois venir faire cheminement, à quelle heure elle va bavader, jusqu'à elle va finir de bavader. Et puis, je vais partir écouter, regarder mes films et tout ça. Ma fille, donc vraiment, je ne voulais pas me faire le cheminement, quoi. Mais il y avait une force qui me forçait même à la limite à faire le cheminement. Et à 16h30, je me suis retrouvée enfermée dans ma chambre, me concentrer sur le téléphone. Et puis, j'ai mis ta page. Je me suis abonnée en même temps. Et puis, j'ai commencé à suivre le cheminement à 16h30. Le premier jour, je sentais des choses en moi, je sentais des changements, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, aïe, mais c'est qu'elle priait en fait, et puis ça me concerne trop comme ça. C'est qu'elle et prêche, ils sont en train de faire, et puis on a l'impression que c'est ma vie, c'est de ma vie qu'on parle, c'est de moi qu'on parle. Je me sentais pas bien, je voulais témoigner, mais j'ai dit, est-ce que c'est des conneries, ça là, c'est une invention de mon esprit, ce témoignage-là n'est pas vrai. Est-ce que, bon, et puis je lui ai dit quoi même dans le témoignage? Je me posais la question, qu'est-ce que je vais dire? Il y a tellement de choses, je ne sais même pas quoi dire. Et chaque fois, et le lendemain encore, le mardi, je me suis connectée. Et j'ai commencé à suivre. Et quand tu as demandé que l'esprit nous révèle ce qui est caché, ce que nous avons fait un jour, même si nous avons oublié, que ce soit des pactes, que ce soit des maraboutages, que ce soit des vices, en tout cas ce qu'on a pu faire un jour dans notre vie, que l'esprit nous renouvelle, nous remontre ça en fait. Maman, Dieu me montre mon infidélité. Je suis mariée, hein? Mon adultère, ma vie de débauche, ma vie qui ne glorifie pas Dieu. Il me montre tellement, il m'a donné de l'amour, c'est-à-dire, adultère, je le suis. Et ce, pendant des années, c'est-à-dire, c'est pas tous les jours, mais je retombe dedans, je sors, je retombe. Souvent, je prie, Seigneur, pourquoi? Et puis, aujourd'hui, il me montre que, est-ce que mon mari, même je l'ai aimé un jour? Donc, je me disais que le bonheur était ailleurs, que un autre homme me méritait mieux que cet homme-là. Je me disais que je suis trop belle pour cet homme-là. Je suis mieux que lui. Que ce n'est pas lui, mon mari. Donc, je voyais toujours en celui qui venait me draguer, me cotiser. Je le voyais mieux que mon homme. Effectivement, financièrement et autres, ils étaient plus posés, tout ça. Je les trouvais mieux. Ce qui fait que chaque fois, je retombais dans l'adultère. Mais Dieu m'a préservée, maman. Il n'a jamais permis qu'on m'attrape ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est lui parce qu'il aurait pu me laisser attraper. Et puis, ils allaient m'honir. Mais le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il savait que ce jour viendrait où j'allais lui demander d'être mon berger. Alléluia. Où j'allais lui dire, sois mon berger. Alléluia. Seigneur, conduis mes pas. Dirige ma vie.
Hey, maman. Je parle là même, là, je me revois en train de faire des conneries et puis j'ai mal au cœur. Aujourd'hui, avec l'arrivée du père Emmanuel Sawadogo, votre grand frère, amen. Maman, ma vie est transformée. Quelque chose est sorti de moi. Alléluia. J'ai senti quelque chose quand il a parlé du péché, du sexe, quand il a parlé de ce qui nous liait par le sexe. Oh maman, quelque chose est sorti de mes entrailles. J'avais l'impression que quelque chose sortait de mon corps. Quelque chose me libérait à jamais. Alléluia. Vraiment, mon Dieu est bon. Le Dieu que tu adores est vrai. Je n'ai jamais pensé que dans ma chambre, j'allais sentir tant de présence. Je n'ai jamais su que j'allais souffrir comme ça. Parce que je me comportais mal. Parce que pour moi, j'étais dans la vérité. Pour moi, c'est ce que je méritais. Je méritais mieux que ce que je vivais. Alors qu'il y a des personnes même qui cherchent à avoir ma place. Et moi, Dieu m'a béni dans le mariage, m'a donné des enfants. Et moi, je vais exposer mon corps qui lui appartient. Vraiment, merci maman. Merci beaucoup. Parce qu'à cause de toi, à cause de tes prêches, à cause de ta vie qui est un exemple pour moi aujourd'hui, à cause de ce que le Seigneur, à travers toi, vient de me révéler mes péchés, de me révéler ce qui n'est pas juste dans ma vie. Maman, désormais, j'accepte Christ. Et je veux l'adorer en esprit et en vérité. Je veux témoigner de comment il est bon. Merci, maman. Merci de m'avoir libérée de ce péché. Merci. Là, ça mérite que je me tienne debout. Voyez, quand on entend ce genre de témoignage, notre cœur est bouleversé. Alors le Seigneur se lève sur son trône pour bénir ses enfants. Mais laisse-moi encenser le trône de Dieu avant que la parole ne vienne te préparer pour ce grand temps. Hey. Oh, oh, je n'ai jamais vu celui qui crie à toi être abandonné par toi, Seigneur. Aïe, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur toi et être déçu. Commence déjà à bénir Dieu pour tous les témoignages que tu as entendus avant la prédication qui se fera. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es le rempart de ma vie. Hey, tu es ma paix et ma joie. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Père, moi, je veux te rendre grâce pour ton amour, ta fidélité, ta bienveillance, pour tes promesses dans ma vie, pour les promesses à venir. Oh mon Dieu, quand je croyais ma vie perdue, tu m'as restauré. Celui qui je comptais m'ont abandonné, mais toi tu ne m'as pas abandonné. Hey Yahweh, tu as veillé sur moi. Est-ce que tu peux faire sonner la trompette? Hey, je dis aujourd'hui les anges vont se retrouver là où tu te trouves. Nani Azalo Kolayo. Nani asalo kolayo ya ya eh eh eh. Nani asalo kolayo.
ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Il tient la clé du séjour des morts. Oh, tu mérites l'élévation. Toi qui es assis sur ton trône de gloire, les adorateurs sont là. Ils attendent que tu parles, ils attendent que tu agisses. Nous avons décidé de marcher à ta suite, de te suivre, toi le seul unique berger. Oh, 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 Yahweh, Yahweh, Name Lelio, Ereboche, bébé. Commence à préparer ton cœur pour entendre la parole. Hey, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'un adorateur sait qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir? Alors j'aimerais que tu restes connecté jusqu'à la fin. Quelque chose va se passer ce soir. La table sera dressée devant toi et Dieu lui-même va déposer les mets. Oh, Nani Azalo Kolayo Yesu. Nani Azalo Kolayo. Nani Azalo Kolayo Yesu. Nani Azalo Kolayo Yaya. Dis avec moi. Commence, même si tu ne sais pas prier en langue, commence à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux entendre ta parole, parce que ta parole c'est ce qui libère, je veux entendre ta parole. Tu es grand, notre Dieu, et tu remplis déjà ce lieu par ta présence, par la présence de ton esprit, et tu nous étreins parce que tu veux nous conduire, parce que tu veux nous mener au repos. Saint-Esprit, nous voulons nous livrer à toi. Nous voulons nous livrer à toi. Et nous allons tous nous tenir debout là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Nous allons faire un pacte avec le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous voulons nous livrer à toi. Cette apothéose est pour nous. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi devant le trône. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi.
Emmène-moi, Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Emmène-moi devant le trône. Du fond de ton cœur, emmène-moi auprès de Jésus. Du fond de ton cœur, appelle-le. Emmène-moi, ta prière. Saint-Esprit. Le désir de ton cœur. Emmène-moi devant le trône. Le désir de ton cœur. Parle au Saint-Esprit. Exprime-lui tout ce que tu portes, tout ce qui te vient, tout ce qui te fait souffrir. Oh, parle-lui. Ce jour est un jour spécial. Ce jour est un jour spécial. Parle-lui. Emmène-moi devant le trône. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, 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 Saint-Esprit. Emmène-moi devant le trône. Emmène-moi dans le surnaturel pour que je saisisse ces paroles de manière surnaturelle. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène, emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter. Et le Seigneur voudrait réenfanter plusieurs. Le Seigneur veut te réenfanter. Comme refaire tout en toi. Une recréation. Alléluia. Une restauration. Alléluia. De la création. Alléluia. Quel que soit ce que tu as vécu et enduré, le cœur de Dieu s'ouvre aujourd'hui. Dieu veut te réenfanter. Alléluia. Car tout ce que tu as connu jusque-là n'est pas ce qu'il voudrait pour toi. Amen. Comme Baba.
te bénissons, Saint-Esprit. Bénissons, Saint-Esprit. Et nous croyons, nous pouvons nous asseoir. Et nous croyons que ce soir, Dieu fera, il a déjà commencé, mais il fera encore des choses plus grandes. Il fera des choses exceptionnelles. Il fera des choses qui vont dépasser notre entendement. Quel que soit le lieu où nous sommes, et quel que soit le temps que toutes ces réalités ont pris, je te dis aujourd'hui, ce soir, Dieu va de manière extraordinaire bouleverser ta vie, transformer ta vie, restaurer ta vie. Dans ce petit rappel que nous allons faire, avant d'entrer, continuer ce temps, c'est l'apothéose. C'est le temps où nous disons à Dieu, fais ce que tu as prévu faire. Amen. Nous avons cheminé. Nous avons entendu, écouté sa parole. Nous nous sommes préparés. Et nous allons dire, Seigneur, nous voici, agis. Comme diraient les apôtres, étends tes mains. Alors, dans ce rappel, nous avons vu que le Seigneur, et c'est le thème, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur, c'est Jésus de Nazareth. Celui-là qui est mort pour nous. Il est notre Seigneur, il est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est-à-dire, celui-là qui a payé le prix pour moi. Jésus est le Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne qui le soit. Alors la Seigneurie du Christ s'établit sur ma vie et dans toutes les réalités de ma vie. C'est parce qu'il est mon Seigneur, alors il est capable de conduire ma vie. Il conduit ma vie. Il me mène. Il m'oriente. Il donne les directives de ma vie. Les priorités de ma vie. Et cela, non pas selon moi ce que je veux, non pas selon mes principes à moi, mais selon lui, ses principes, selon lui, ses règles. Cela nécessite également une véritable relation de confiance. Parce que je ne peux pas me laisser conduire sans que j'aie confiance. Parce qu'il me mène toujours au repos. Amen. Il me mène toujours en lieu sûr. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. Même que ce soit dans la sécheresse, il me fait récolter après la saison. Alléluia. Et donc cette confiance doit me donner de pouvoir m'abandonner totalement à lui. On ne peut s'abandonner à quelqu'un seulement que tant on a confiance en cette personne. Mais aussi pour que j'ai confiance et que je m'abandonne, cela suppose que je le connais. Je le connais. Il ne peut pas me trahir. Il n'est pas fils d'un homme. Il est Dieu. Sa parole est sûre et certaine. Et sa parole pour moi, elle est oui et amen. Je le connais d'une manière nouvelle. Et là, nous avons parlé des deux connaissances. La connaissance par oui dire et la connaissance intuitive. Cette connaissance-là même qui nous donne de voir Dieu au-delà des montagnes, des épreuves que nous pouvons traverser. Qui nous donne la capacité de le toucher, de le cerner. Cette connaissance qui nous donne de pouvoir nous abandonner à lui parce que nous le connaissons autrement. Et l'exemple de Job nous a été donné.
je te connaissais que par Witty. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Alléluia. Mes yeux ont vu tes actions. Mes yeux ont vu ta main puissante qui n'est pas courte. Alors, je te connais. Mais pourtant, beaucoup de choses ont été vécues. Beaucoup de réalités ont été traversées par Job. Alors, ce berger, le connaissant, je sais que le berger a pour fonction de conduire. Le berger a pour rôle de protéger. Le berger a pour rôle de défendre. Il assure, il se préoccupe même du bien-être de sa brebis. Et c'est cela le véritable berger, le bon berger. Et c'est celui-là que tu as choisi de servir et de suivre. Amen. Je voudrais que nous puissions quand même lire ce passage biblique. Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 12 et suivant. Il dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue comme un pasteur inspecte ses troupeaux quand il est au milieu de ses brebis. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Amen. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit ce que tu as vécu, traversé, ton histoire, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu passe en revue toute sa troupe. Alléluia. Dieu passe en revue. Il dit, ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Des réalités ont sûrement fait que tu as quitté le chemin du Seigneur. Des réalités ont fait que tu as peut-être même douté de sa fidélité. Là où tu as été dispersé, le Seigneur dit, il ira en ce lieu pour te rassembler. Là où elles ont été dispersées, au jour de nuages ou d'obscurité, à cause peut-être des épreuves, je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Oui, ta maison, c'est la maison du Seigneur. Le lieu de ton repos, c'est la présence de ton Dieu. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Amen. Et le Seigneur, le bon berger, nous conduit dans cette réalité aussi. Nous avons vu que par moments, nos manques, les réalités ont fait que nous avons fait des choix, nous avons posé des actes qui nous ont éloignés du Seigneur, qui nous ont mis hors du chemin du Seigneur. On nous a parlé du manque existentiel. Ce manque existentiel qui doit être pour nous la priorité. Le manque existentiel, c'est ton Dieu, ton identité d'enfant de Dieu. Le manque utile, ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Mais la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et le manque superficiel. La parole de Dieu dit, ne vous encombrez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être considérées comme des manques, mais en réalité qui peuvent nous encombrer. Si tu es d'accord, dis amen. Or, pour aller avec le berger, il faut être léger. Amen. Alors, nous avons vu que c'est en Dieu que nous avons le repos.
Et Dieu veut nous faire entrer dans ce repos. Il a vu nos misères. Il a vu nos souffrances. Il a vu nos pleurs. Il ne vient pas nous juger. Quel que soit le chemin que tu as emprunté, ce soir, le nouveau chemin s'ouvre pour toi. La voie s'ouvre pour toi. Et nous l'avons vu. Des paroles qui ont été comme des portes ouvertes. Des paroles qui sont comme des effets de réclamation. Ce soir, tout va finir. Parce que Dieu va les briser de manière définitive. Le repos de Dieu, c'est entrer dans le projet de Dieu. Ce projet qui nous donne de pouvoir bénéficier de ses largesses. Mais ce qui ne nous garantit pas aussi que nous ne serons pas éprouvés. Amen. Et en général, entrer dans ce projet de Dieu passe en général par beaucoup d'épreuves. Oui, parce que l'épreuve nous éduque. L'épreuve nous forme, nous donne un caractère, une nature surnaturelle. L'épreuve nous donne une nature surnaturelle. L'épreuve nous aide à vivre plus de notre nature surnaturelle parce qu'en nous, il y a deux natures. Nous avons la nature humaine et la nature surnaturelle. Parce que corps, esprit. Et donc ces épreuves doivent nous donner d'être aguerris. Elles nous forment pour que dorénavant, tu ne trembles devant rien. Pour que dorénavant, tu ne doutes jamais de ce que Dieu est capable de faire. Que ton passé ne soit plus ce qui t'importe, mais c'est ton avenir en Dieu qui est le plus important. On a parlé de l'attitude aussi du rétroviseur. Oui, tu as souffert. On t'a fait ceci. C'est bon. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire que tu vas regarder. Parce que Dieu veut nous réenfanter, comme il a dit tout à l'heure. Il veut casser ses chaînes, toutes ses paroles. C'est l'ignorance, c'est l'errance. Mais Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Si nous acceptons qu'il nous conduise, si nous acceptons que le berger soit notre Seigneur, il ne suffit pas qu'il soit le berger, il doit être d'abord mon Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Et ce soir, nous allons dire à Dieu que sa seigneurie s'accomplisse. Nous allons prier que toutes ces paroles de réclamation, quel que soit le temps que cela a pris, cela sera terminé ce soir. Dieu va mettre fin à cela ce soir. Parce que son nom a été invoqué et sa parole qu'il a proclamée ne peut pas retourner à lui sans pour autant accomplir l'œuvre de restauration pour toi. Amen. C'est pour toi que cette parole a été annoncée. Amen. Alors ce soir, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de maman. Ça ne dépend pas de papa. Ça dépend de toi. Amen. Quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, l'attitude, ce soir, approprie-toi ce temps. Dieu n'est pas limité. Il est là où tu es. Il est près de toi-même. Il est plus près de toi-même que moi. Alléluia. Amen. Vis ce moment et laisse la main de Dieu qui n'est pas courte te rejoindre. Amen. Ton passé, tu le diras comme témoignage de ce que Dieu a fait. Nous avons entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de souffrances. Mais Dieu est celui qui est proche de tous ceux qui souffrent. Parce que Christ a connu la souffrance. Alors, ce soir, c'est ton soir. Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer ce moment. Bénis Dieu déjà. Parce qu'il a permis ce cheminement. Ce n'est pas un cheminement de plus. Mais c'est un cheminement pour que pour toi le témoignage commence. Au nom de Jésus. Jésus est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Dis avec moi, il est mon berger. Dis avec moi, il est mon berger. Dis avec moi, il est mon berger. Tu peux déjà même te réjouir. Tu peux déjà te réjouir parce que
C'est aussi une subtilité démoniaque de penser que ta vie ne peut pas changer. Et la foi rentre dans ce dynamique. Alléluia. Lève-toi puis commence à te réjouir. Parce que ce qui était caché aux yeux des hommes, Dieu l'a révélé. Si le Seigneur a pu entrer dans la vie de ta sœur alors que sa grand-mère était déjà morte, si Dieu a pu entrer dans la vie de cette dernière, hey, alléluia, je veux entendre un adorateur commencer à dire: mon berger, j'espère que tu danses là où tu es. Mon berger, qui peut se comparer à toi, mon Seigneur, qui peut s'égaler à toi. Dans mes combats, tu as combattu, dans l'humiliation, tu m'as relevé. Dans la détresse, tu m'as consolé. Hey, ah, hey. Dans mes combats, tu as combattu. Dans l'humiliation, tu m'as relevé. Et dans la tristesse, tu m'as consolé. Hey, ah, hey. Tu as combattu, c'est-à-dire je t'ai dit au cheminement d'avril que l'adorateur est celui qui voit dans le surnaturel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avance dans le surnaturel. C'est quelqu'un qui proclame par rapport au surnaturel. C'est quelqu'un qui voit déjà qu'il obtiendra la victoire. Nous ne sommes pas en train de chercher la victoire, mais aujourd'hui nous sommes à la fin du psaume où il dit: il dresse devant moi une table en face de mes ennemis et il me oint d'huile parfumée. Il dit c'est en face de mes ennemis. Alors nous commençons déjà à nous réjouir parce que nous savons qu'une table sera dressée. Ils n'ont même pas le choix. Je dis ils n'ont même pas le choix. Ils ne pourront que regarder ce que Yahvé est en train de faire pour nous. C'est pourquoi je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais lève-toi et commence à te réjouir. Hey! Hey! Hey Yahweh, qui peut se comparer à toi? Personne. Seigneur des seigneurs, qui peut s'égaler à toi? Mon bon berger, qui peut se comparer à toi? Lion de Juda, qui peut s'égaler à toi? Premier-né d'entre les morts, qui peut se comparer à toi? Toi le oui et l'amen de Dieu, qui peut s'égaler à toi? Dans mes combats, tu as combattu. Dans l'humiliation, et tu m'as relevé. Dans la détresse, et tu m'as fortifié. Hey, 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 hey. Oh, dans les combats, tu as combattu. Dans l'humiliation, tu m'as consolé. Dans la détresse, tu m'as fortifié. Et nous sommes là pour t'élever. Abraham, Dieu qui a fait le ciel et la terre, Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est de toi dont il s'agit. Oh, Dieu qui a donné Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le prix pour chaque adorateur. Je veux parler de ce Dieu, le Dieu qui m'a racheté. Et le Dieu qui est le Seigneur des vivants et des morts,
qui peut s'égaler à lui. Le Dieu qui appelle à la vie ce qui n'existe pas, qui peut se comparer à lui. Et dans mes combats, tu as combattu. Dans l'humiliation, tu m'as relevé. Dans la tristesse, tu m'as consolé. Je me mets là et que je commence à me réjouir. Combat chakaya, ba 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 ba. Je dis commence à louer Dieu. Le cortège est déjà prêt. Il n'est pas encore en marche. Mais un cortège de victoire qui va passer aujourd'hui. Et tu monteras dans ce cortège. Et ils seront traînés, les principautés, les dominations, c'est-à-dire toutes les actes qui avaient été posées contre toi. C'est pourquoi je dis ne laisse pas un adorateur en dehors de ce temps. Parce qu'aujourd'hui c'est l'apothéose. Hey! Prononce mon berger, quelle que soit la tristesse, dis mon berger, quel que soit le combat, dis mon berger, quel que soit ce qui passe dans ta tête, mon berger, même si tu es malade, touché, mon berger, même si c'est avec une canne que tu marches, même si tu ne vois plus, même si tu n'entends pas. Mon berger, mon berger me conduira dans les verts pâturages. Mon berger me conduira, il restaurera mon âme, tout ce qui m'a été volé. Mon berger me le restituera. Tout ce qui m'a été pris depuis mon enfance, hey, mon berger me le restituera. Hey, Jésus est mon berger, Emmanuel est mon berger, le prince de paix est mon berger. Oh, mon berger, Emmanuel est mon berger, oh, le prince de paix. Volé, il a hey, tout ce que les gens ont pris me redonnera, parce qu'il dressera la table devant moi, en face de mes ennemis, il me couvrira d'une parfumée. C'est pourquoi je l'appelle mon berger. Désormais il conduira ma vie. Désormais il conduira ma vie. Il est mon berger. Tu vois, j'aimerais que tu loues le Seigneur. Parce que pendant que je suis en train de parler de ce qui m'a été volé, il va me restituer tout cela. Je veux parler à un adorateur qui a eu un flash, à qui on a parlé. Ce que je reçois dans mon esprit, c'est comme si quand tu étais bébé, on a pris ton étoile, comme on a l'habitude de dire, on a pris son étoile. Mais comme le Père Bourg a dit aujourd'hui, tout ce qui a été volé sera restitué. Amen. Et toi-même, tu le sais, ils t'ont dit que ton étoile a été prise depuis ton enfance. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut te permettre de te connecter comme ça en vain? Non! C'est pourquoi il ne doit même pas avoir de tristesse parmi vous. Personne ne doit être triste. Parce que si aujourd'hui tu as pu te connecter, même ceux qui vont venir revivre la vidéo, l'impact de la puissance du nom de Jésus va agir dans leur vie. Ce qui t'ont pris, il y a d'autres, on va louer, il y a d'autres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ta grâce qui a été enlevée sur ta vie, ils ont décidé de faire de toi une prostituée. Et tu as commencé, tu erres. Là, tu t'es connecté comme ça, hein? Tu erres.
parce que tu n'as plus. Ils ont décidé que tu sois quelqu'un de la rue, une femme de joie. Mais tu vois, cette joie dans laquelle ils ont voulu te mettre là, c'est vrai, tu es entré dedans, ce n'était pas de ta faute. Maintenant, je te demande de te réjouir parce que ton berger vient te prendre. Il dit, s'il y a 100 brebis et que parmi les 100, une seule brebis s'en va, elle s'égare. Pour la seule brebis, je laisse les 99. Commence à bénir Dieu. Tu ne sortiras pas de ce temps comme tu es entré. Parce que le maître de la vie, c'est lui qui tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est la main de Dieu, le véritable. Son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Emmanuel. Le Fils de l'homme, le Dieu tout-puissant. Il va se lever de son trône pour toi. Il va se lever de son trône pour toi. Ça dépend de ta joie. Ça dépend de ta joie. Le maître est prêt à se lever de son trône pour toi. Il est prêt à se lever de son trône pour toi. Jésus est prêt à se lever de son trône pour toi. Mais je dis, ça dépend de toi. Et ça dépend de toi. Ça dépend de la joie que tu vas exprimer. Je t'en supplie, mets-toi au-dessus des problèmes. Oh, mets-toi au-dessus de tes combats. Car dans mes combats, il a combattu. Moi dans ma tristesse, il m'a consolé. Moi dans l'humiliation, il m'a relevé. C'est pourquoi je suis en face de toi. Et dans mes combats, il a combattu. Oh, dans l'humiliation, il m'a relevé. Et dans la tristesse, il m'a consolé. C'est pourquoi je suis là devant toi. Oh, mon berger, là où tu es, commence à crier, lève-toi. Tu dis, papa, c'est toi qui conduiras ma vie désormais. C'est toi qui conduis ma vie. Parce que je veux te faire entrer dans le surnaturel. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu ne crois pas que déjà le berger t'a sauvé, tu ne verras pas. Alors je veux que tu danses deux cantiques de louange et on rentre dans les parvis et on commence à élever Dieu. Commence même à faire le cri du témoignage parce que les témoignages qui vont venir seront encore glorieux. Avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour. Tu m'as montré ta tendresse. Tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime. Combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime. Combien mon cœur résulte de joie, je veux te dire. Je veux te dire combien je t'aime. Combien mon cœur résulte de joie. Je veux te dire combien je t'aime. Combien mon cœur résulte de joie. Hosanna, eyo. Hosanna, eyo.
Hosanna, eh 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 Hosanna, eh yo. Hosanna, eh yo. Hosanna, eh 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 eh. Ce que Yahvé a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Ce que Yahvé a fait pour moi, et je sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ah, et je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Dans les épreuves, Yahweh m'a fortifié. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Aïe, je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je veux parler à quelqu'un qui est malade, qui est seul dans sa chambre. Tu as été comme isolé. Je ne sais pas ce que tu as comme maladie, mais c'est comme si tout le monde t'avait abandonné, mais tu es seul dans la chambre. Je voudrais que tu te réjouisses avec moi. Bénis Dieu, parce que Dieu est celui qui t'a créé, qui connaît toutes les cellules de ton corps. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. J'entre dans tes parvis avec mes louanges, avec des louanges de reconnaissance. Car tu es le Dieu qui m'a relevé. Tu m'as montré ton amour, tu m'as montré ta tendresse, tu m'as montré ta bienveillance. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur exulte joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur exulte joie. Dis avec moi, je veux te dire. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur exulte joie. Je veux te dire combien je t'aime, combien mon cœur exulte joie. Hosanna, hey yo. Hosanna, hey yo. Hosanna, eh 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 eh. Golo komisana. Hey Hosanna, hey yo. Hosanna, hey yo. Hosanna, eh 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 eh. Maintenant on fait le cri du témoignage. Eh eh. Ore bossa ba 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 ba. Eh eh. Yeah. Commence à crier. Je dis, réponds encore le cri du témoignage, le cri du témoignage. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu m'as montré ta grâce, tu m'as montré ta faveur, tu m'as montré ton amour. Et aussi ta bienveillance. Et qui est comme toi, Éternel des armées. Je dis comment ça te réjouit. T'as dit que le pénancé n'a mon idée n'a ni un bocani n'a yo zambé. Yam nabita n'a pas ça. Kita, kita le.
Regarde, nous avons célébré Dieu. Nous avons célébré celui qui a fait le ciel et la terre. Nous avons célébré celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous allons lui dire que ta présence, écoute-moi bien. Il l'a dit, je dresse une table en face de mes ennemis, David l'a dit. Et il met des mets circulants. Ce n'est pas moi qui dresse la table. Je ne me puise pas. Je ne fais rien. C'est lui qui dresse la table. C'est lui qui ce soir va me libérer. C'est lui qui ce soir va me restaurer. La seule chose que mon Dieu attend, c'est que je lui fasse confiance. Ce n'est pas une main, même pas moi qui ai le micro qui va te libérer. Je suis trop limitée, je ne peux même pas. Mais c'est lui qui va te libérer. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Alors je veux bien comprendre le Alléluia pour célébrer son nom. Ce Alléluia que j'ai composé pour lui dire, tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu. Digne d'être élevé. Digne d'être magnifié. Car tu as versé ton sang pour moi, pour me réconcilier. Est-ce qu'un adorateur de là où il est, parce que c'est une marche, il ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui ne croit même pas que ce soit lui qui soit l'auteur de sa délivrance. Parce que tu peux croire même que c'est Geneviève Brou qui fait ma délivrance, alors que Geneviève Brou même ne peut pas faire ta délivrance. Christophe Brou ne peut pas faire ta délivrance. C'est celui qu'on appelle l'Emmanuel, le plus beau des fils de l'homme, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est celui-là qui va te libérer. C'est Jésus qui va te libérer. Moi je ne suis qu'un canal, lui il n'est qu'un canal, mais toi, il attend que tu t'abandonnes. Il attend que tu lui dises, berger, voilà ma vie. Peut-être que c'est la première fois que je me connecte. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Seigneur, voici ma vie. Alléluia. 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 Comme ma commence à célébrer Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Tu es digne, mon Seigneur et mon Dieu, digne d'être adoré. Parce que tu le veux. C'est pourquoi les anges et les saints t'adorent en élevant leur voix vers toi. Oh, l'ange Michaël, l'ange Gabriel, les séraphins, les chérubins. Ta gloire, ils acclament la puissance de ton autorité, ils acclament la puissance de ton règne. Les anges t'acclament, les séraphins t'acclament, les chérubins t'acclament, les saints t'acclament.
ils acclament ton autorité, ils acclament ton pouvoir, ils acclament ta puissance, ils t'acclament parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne d'être magnifié pour ton sang versé pour moi. Tu es digne d'être exalté. Tu m'as réconcilié avec Dieu le Père. Commence à lever les mains. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux te coucher, tu te couches. Parce que le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Il a dit, il dresse devant moi une table. Mais avant de dresser la table en face de mes ennemis, Yahweh va me libérer. Yahweh va me libérer parce qu'il m'a mené dans les verts pâturages. Il dit, il me conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Il recalme, c'est-à-dire il ranime mon âme. Il ranime, oh, mon âme sera ranimée à quel moment? Mon âme sera ranimée quand mon Dieu va me libérer de tout ce qui me tient captif. Mon âme sera ranimée. Quand mon Dieu va me libérer de tout ce qui m'empêche d'avancer, mon âme sera ranimée. Quand mon Dieu va me libérer de ce qui m'empêche de le suivre, que sa présence aujourd'hui, que sa présence dans la vie des adorateurs, là où chacun se trouve, se fasse réel, que sa présence se fasse réelle, que sa présence se fasse réelle, que tu sois malade parce que tu es isolé dans la chambre, tout le monde t'a abandonné. Mais je dis ce soir, la présence de Dieu se fera réelle parce que le Saint-Esprit te rejoindra là où tu es. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit rejoint chaque adorateur, rejoint chaque adorateur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Saint-Esprit? Il a saisi d'abord vos cœurs. Il est en train de saisir vos cœurs pour que vos cœurs soient remplis d'amour pour Dieu. Pour que vos cœurs soient remplis d'amour. Et pendant que je suis en train de parler, tu sens que ton cœur déborde d'amour pour Dieu. Ça ne dépend même pas de moi. Ça ne dépend pas de moi, mais du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je suis là, regarde mon cœur. Regarde mon foyer, regarde mes enfants, regarde mon passé. Que ta présence en moi se fasse réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ne suis pas le berger qui veut. Que ta présence en moi devienne réelle.
que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je dis, ne suis pas le berger qui veut que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis-lui que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi envahit tous les lieux. Saint-Esprit, comme un torrent, déverse-toi dans tous les endroits où se trouvent les adorateurs, dans les hôpitaux, Saint-Esprit, dans leurs maisons, dans les foyers. Réponds-toi maintenant, Esprit du Dieu vivant. Qu'elle devienne réelle. Que ta présence devienne palpable en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension de toi. Je veux te redécouvrir, je veux voir comment tu es, toi l'agneau immolé. Je veux te découvrir. Je veux une autre dimension de toi. Je dis prier, dis, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Une autre dimension de toi. Oh, 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 oh. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Pour que je puisse résister au péché, je la veux. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous allons rester sur la dimension du toucher, de gloire, de puissance, parce que le Saint-Esprit veut mettre son doigt, il veut toucher des gens. Touche-moi, Saint-Esprit, dimension de gloire, touche-les, Saint-Esprit, dimension du toucher de gloire, touche-les, 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 touche-les. Se déploie. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Commence à appeler le Saint-Esprit maintenant. Oh. Commence à appeler le Saint-Esprit maintenant. Dans tes différentes réalités, dans ta situation, appelle-le. Commence à appeler le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'appelle. Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit. Esprit des quatre vents.
invoque le Saint-Esprit dans ta réalité. Il passe en revue ton passé. Il passe en revue ton passé. Tous les lieux de souffrance, tous les lieux de blessure, tous les lieux d'humiliation. Je dis, commence à l'appeler, à l'invoquer maintenant. Sa main vient jusqu'à toi pour te guérir, pour te rétablir, pour te restaurer, te relever. Toutes ces paroles qui t'ont blessé, toutes ces paroles qui t'ont conformaté, la puissance de l'Esprit vient transformer cela maintenant. La puissance de l'Esprit vient transformer cela maintenant. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne capable. Je veux une autre dimension de toi. Saint-Esprit, touche-moi. Que ta présence répande de moi. Que ta présence agisse sur moi. Entre dans mon passé, entre dans ma vie. Tu relèves tout. Tu relèves tout. Tout ce qui est comme ruine. La puissance du Saint-Esprit est en train de rebâtir. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est en train de rebâtir cela. Et c'est comme si tu revivais beaucoup de choses en même temps. Tu revivais beaucoup de choses en même temps. Mais le Saint-Esprit est en train de rétablir tout cela. Toutes les ruines sont rebâties. La fondation de ta vie. Dieu est en train de refaire la fondation de ta vie. C'est lui qui tient la clé de David. Celui qui est capable de planer là où tout est mort. Le Saint-Esprit agit puissamment. Il agit pour la gloire de Dieu. Tu es en train de rejoindre plusieurs. Comme si Dieu vous redonne la vie. Dieu redonne vie à plusieurs. Dieu redonne vie à plusieurs. Et tu as perdu confiance. Tu as perdu cette confiance. Tellement tu as été martyrisé à cause de tout ce que tu as entendu autour de toi. Et même dans ton foyer, tu as l'impression que cela se répète. Tu as l'impression que même dans ton foyer, cela se répète. Ces paroles que tu entends te heurtent, te blessent. À toi, Jésus. Nous t'appelons Jésus. Oh, tu passes. Tu passes. Tu passes là où les adorateurs sont. Oh, oh, ouvre ton cœur. Je m'attends à toi. Ouvre ton cœur. Je m'attends à toi. Ouvre ton cœur. Dieu veut entrer. Je m'attends à toi. Ton cœur est devenu dur comme pierre. Je m'attends à toi. C'est comme une carapace que tu t'es formée.
comme pour vouloir t'affirmer, mais aussi comme pour vouloir te défendre. Mais cette carapace te défigure. Et Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur, le changer, le transformer. Supplier Dieu et te supplier à toi aussi d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur pour que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi. Ouvre ton cœur pour que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi. Parce que ce que je vois dans mon esprit, c'est le Seigneur qui vient chercher chacun. Pas pour te dire que tu vas mourir, non. Mais il est partout où vous êtes, vous qui êtes connectés. Il est là, à côté de vous. Et c'est comme s'il veut rassembler tout le monde. Parmi vous, il y a d'autres qui sont épuisés. D'autres ont le cœur brisé. Mais il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui soulage les opprimés. Il est celui qui est toujours capable de restaurer. Toujours capable de redonner la vie. Toujours capable de réécrire une histoire parce qu'il écrit droit sur les lignes de Cuba. Vous êtes tous connectés, chacun a vécu quelque chose. Le berger est là. Le berger est là. Quel ami fidèle et tendre nous avons. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Le Seigneur te tend la main, prends la main. Parce qu'il veut dresser la table ce soir devant toi. En face de tes ennemis, mais tu as besoin de guérir. Et le Seigneur veut vraiment... Le Seigneur veut accomplir une œuvre profonde. Tu as plusieurs fois vécu cette réalité où le Seigneur voulait te guérir. Mais c'est comme si tu n'avais pas totalement donné au Seigneur. Mais le Seigneur insiste ce soir pour que ta guérison soit totale et définitive. Et l'image que j'avais, c'est comme des bulles. L'image de bulles, et ces bulles qui montaient comme vers le Seigneur, comme pour dire, Seigneur, je t'offre. C'est-à-dire, quand ton cœur adhère totalement à abandonner cela à Dieu et à accepter que Dieu te guérisse, et c'est comme une bulle, comme des bulles qui montent vers le Seigneur, et cela te donne aussi la liberté. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Peut-être que de toi-même, c'est encore difficile. De dire j'abandonne, je te donne tout. C'est pourquoi nous avons demandé à l'esprit des quatre vents. Le Saint-Esprit est là. Ce que tu n'es pas capable de faire de toi-même, le Saint-Esprit t'aidera à le faire. Laisse tout cela monter vers le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur maintenant. J'ai été tellement brisé dans ma vie. J'ai perdu confiance en moi, Seigneur. Mais ce soir, je m'attends à toi. Ils m'ont méprisé. Cela a changé l'état de mon cœur. Je ne sais plus aimer. Je ne sais plus parler correctement aux hommes. Je m'attends à toi. J'ai appris que j'ai été maudit. J'ai appris que j'ai été maudit. Et moi-même j'ai vu, j'ai entendu. J'ai entendu ma mère me maudire. Mon père me maudit. Mais ce soir je m'attends à toi. Parce que ton sang tu l'as versé pour moi. Sur la croix de Golgotha, ton sang a coulé pour moi. Sur la croix de Golgotha, ton sang est versé pour moi. Moi, ce soir, je dis.
je m'attends à toi. Jésus te guérit maintenant. Je ne peux tout expliquer. Jésus te guérit maintenant. Dire, mais je m'attends à toi. Jésus. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus te guérit. Jésus. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus t'est guéri. Oh, Jésus t'est guéri. Libère ton cœur. Jésus. Libère ton cœur. Commence à invoquer maintenant le nom de Jésus. Nous allons maintenant invoquer le nom de Jésus. Ce nom qui brise les chaînes. Ce nom qui casse le pouvoir de l'ennemi. Comme nous l'avons dit, le Seigneur veut nous réenfanter. Le Seigneur veut briser toutes ces chaînes. Tout ce que tu as confessé, tout ce que tu as eu à faire, on t'a lavé. Tu as pris des potions, des paroles, peut-être des pactes. Quel que soit ces pactes, alléluia. Puisque le berger défend ses brebis. Le berger rachète ses brebis. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas proclamer le nom de Jésus sur ce passé, sur ce que tu as eu à faire. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Yeshua, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Je dis le nom de Jésus, est au-dessus de ta Noé. Je lui invoque le nom de Jésus. Son nom est au-dessus de Indy. Invoque le nom de Jésus. Son nom est au-dessus Jésus. De tous les génies de ta famille. Oh, bah, 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 bah. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Oh, bah, 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 bah. Quels que soient les points de contact, oh, quelles que soient les portes ouvertes. Oh, Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Oh oui, le nom de Jésus.
est au-dessus de tous les esprits de ma famille. Proclame que Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus des démons de ma famille. Prie avec nous, là où tu es. Commence à proclamer maintenant. Proclame que Jésus est au-dessus. Proclame que Jésus est au-dessus. Prends autorité sur ces réalités maintenant. Jésus, prends toi-même autorité. Déclare que tu es libre maintenant au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Jésus, déclare que Jésus te libère. Déclare que Jésus te libère. Déclare là où ton nom a été invoqué. Là où ton nom a été invoqué. Jésus retire ton nom. Jésus retire ton nom. Jésus retire ton nom. Jésus annule ces paroles de malédiction. Jésus commence à prier. Commence à prier avec autorité. Jésus proclame que tu es libre. Proclame que tu es libre. Tout cela n'a plus d'effet sur ta foi. Le nom de Jésus. Jésus est plus fort. Jésus est couronné de gloire. Jésus règne sur ta vie maintenant. Jésus règne sur ta vie maintenant. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Lève la main, lève la main et adore. Adore Jésus maintenant. Adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Alpha, Omega. Aucun autre nom ne peut résister. Je dis, entre dans une adoration surnaturelle. Alors, je voudrais dire quelque chose pendant que nous sommes en train de d'invoquer le nom de Jésus. J'ai eu comme ça dans mon esprit une image d'une jeune fille. Quand tu te couches, toutes les soirs, quand tu te couches, il y a un serpent qui dort à côté de toi. Tu ne le vois pas physiquement, mais tu le sens. Pendant que nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus détruit ce serpent qui vient toutes les nuits dormir à côté de toi. Je ne dirais pas qu'il dort avec toi, mais il dort à côté de toi. Il y a des moments même qu'il t'enroule. Il t'enroule et tu sens, mais tu ne vois pas. Même si tu dis aux gens, personne ne te croira parce que tu es la seule à sentir et ça se passe toutes les nuits. Mais pendant que nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus, le berger, Jésus-Christ, le bon berger, est en train de te libérer. Est en train de te libérer. Oh! Plus haut que tous les noms, Alpha, Omega. Toutes les chaînes sont en train aucun d'être cassées. Aucun nom n'est comme le sien. Et le nom de Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Le nom de Yeshua. Appelle-le. Adore-le. Le nom de celui qui tient la clé de David. Le nom de celui qui peut ouvrir toutes les portes. Le nom de celui qui tient la clé du séjour des morts. Yeah. Il relâche toutes mes bénédictions. Tout ce qui avait été enfoui, Jésus me restitue tout ce soir. Aucun nom, élève le nom de Jésus comme le sien. Tout ce qui m'avait été volé, les vannes de la grâce sont ouvertes ce soir.
Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois en France, que tu sois au Burkina, que tu sois au Bénin, que tu sois au Togo, en Côte d'Ivoire, il te touche. Reçois ta main n'est pas trop courte, il te touche. Jésus-Christ de Nazareth, il te touche. Aucun nom n'est comme le sien. Chante avec nous, chante avec nous. Entends ce cri de victoire. 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 Qui se mêle aux trompettes des anges. Qui se mêle aux trompettes des archanges. La puissance de délivrance. Touche plusieurs maintenant. La puissance de libération. Touche plusieurs maintenant. Entends ce cri de victoire. Toutes les malédictions de ta vie sont en train de tomber. Toutes les malédictions sont en train de tomber. Amen. Il y a une jeune dame. Il y a une jeune dame. Tu as été envoûtée. Tu as été avec un homme. Vous n'êtes plus ensemble. Mais il a pris tes pas. Je ne sais pas sur quoi tu as marché. Il a pris tes pas. Et avec cela, il t'a envoûté. Vous n'êtes plus ensemble, mais c'est comme si tu ne peux pas aller de l'avant. Tu tournes en rond. J'ai dit la puissance du nom de Jésus te rejoint maintenant. Et je brise cette malédiction au nom de Jésus. Lève la main. Lève la main. Là où tu es, lève la main. Et chante avec nous. Entends ce cri de victoire. Entends ce cri avec conviction. Vois tes chaînes tomber. Vois les portes se casser. Des portes qui étaient verrouillées. Des portes qui étaient cadenassées. Elles explosent. Dieu te restitue. Dieu te rétablit maintenant. Par le pouvoir du nom de Jésus. À un jeune homme, un frère ou un fils, je ne sais pas. Pendant que nous sommes en train de prier, tu te posais la question, tu disais, mais Seigneur, on ne donne que des paroles pour les femmes. On ne donne que des paroles pour les femmes. Mais et nous, les hommes qui sont connectés, je veux te dire que le Seigneur, ce n'est pas forcément par les paroles de connaissance. Mais j'aimerais simplement que tu ouvres ton cœur parce que pour toi aussi, Jésus a un miracle dans ta vie. Il dit, il dresse devant moi une table et c'est devant tous ceux qui sont connectés que le Seigneur a dressé la table. Donc ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas parce que tu es préoccupé. Et donc ça fait que tu n'arrives pas à prier comme nous. Parce que tu te dis, mais et nous, Seigneur, tu ne parles pas de nous, non. Le Seigneur te voit. Et là, en ce moment, pendant qu'on me disait le nom de Jésus, je voyais une sœur qui était assise en train d'accoucher, mais pas accoucher un enfant. Le Seigneur est en train de libérer tes entrailles. Et tu vas sentir
douleur, parce que c'est la douleur de l'enfantement. Le Seigneur est en train de te libérer parce que quelque chose avait été posé dans ton ventre. Et c'est comme si tu es en train de pousser pendant que... Mais vraiment, je te vois assise à terre. Je te vois assise à terre. Oh Seigneur. Le Seigneur, il veut distribuer ce soir des grâces. Il dit, le Père le disait hier, le Seigneur est un merveilleux cuisinier. Parce qu'il met sur devant nous une table. Alléluia. Et les mets que le Seigneur nous présente ne sont pas les mets que nous avons l'habitude de manger. Le bon berger veut conduire nos vies. Ce n'est pas un humain qui veut conduire nos vies. C'est celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur le trône, celui qui parle et personne ne peut redire ce qu'il a dit. C'est lui qui veut conduire nos vies. Alléluia. Voici le moment du repos, le repos du Seigneur. Amen. Nous allons reprendre ce merveilleux cantique. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Nous allons tous lever la main. Ce merveilleux cantique. C'est le moment du repos. Composé par la mère pour les adorateurs. Dieu veut distribuer des grâces et des bénédictions. Alléluia. Dieu veut toucher de manière personnelle et individuelle nos réalités. Merci Seigneur. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de toi. Le moment est favorable. La grâce est disponible. Dis à Dieu que tu t'attends à lui. Il va te surprendre. Il te surprend. Je m'attends à toi. Il te surprend. Même toi qui viens de te connecter. Il te surprend. Jésus, je m'attends à toi. Jésus, mon roi et mon sauveur. Dit que je n'allais jamais réussir, que je t'ai voué à l'échec, que je ne pourrais jamais avancer, mais ce soir je te dis Jésus, je m'attends à toi. Ils ont dit que tout était fini pour moi, que cette maladie allait m'emporter. Cette maladie allait m'emporter, mais moi je dis ce soir Jésus, je m'attends à toi. Jésus, je veux connaître la joie de l'enfantement. Commence à proclamer sur ta vie. Je veux connaître la joie de l'élévation. Commence à proclamer sur ta vie. Je m'attends à toi. Commence à proclamer sur tout ce que tu as présenté au Jésus, Seigneur. Déclare. Je m'attends au mariage. Parle sur ta situation. Parle sur ta réalité. Dieu accomplit. Je m'attends à toi. Dieu accomplit. Parle maintenant. Jésus. Déclare que Dieu agisse. Oh Jésus. J'ai vécu d'échec en échec, mais ce soir je m'attends à toi. Jésus, ils ont mis un voile sur moi. Reçois ton miracle. Je sens. J'ai dit reçois ton miracle. Ce soir, j'ai dit reçois ton miracle à toi. Dans ton travail. Dans ta maison, Jésus, dans tes affaires, dans ton foyer. Je n'ai jamais connu l'élévation. Dans ta santé. Malgré tout ce que je fais dans ce travail, je n'ai jamais connu l'élévation. Mais moi, je m'attends à toi. Libère-moi de la prostitution. Libère-moi de l'échec ce soir. Je m'attends à toi. Je commence à déclarer. Prophétise.
prophétise. Parle maintenant. Je dis prophétise. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dis au Seigneur que tu t'attends à lui. Même si tout est perdu, ce soir je suis dans ta présence. À genoux je crie à toi en te disant je m'attends à toi. Personne ne me voit. Quand je passe, personne ne me voit. C'est comme s'il y avait un voile sur moi, Seigneur. Mais ce soir je dis je m'attends à toi. Mon entreprise que j'ai construite ne marche pas. J'ai investi dedans, rien ne marche. Jésus mon roi, j'élève ton nom. Je te magnifie en te disant que je m'attends à toi. Oh, élève le nom de Jésus. Élève le nom du Fils de Dieu. Élève le nom de Alpha Omega. Élève le nom du lion de la tribu de Judas. Pendant que nous sommes en train d'élever le nom de Jésus, tu vas voir que ce soir le Seigneur lui-même te révélera tout ce qu'il a fait. Mais dans mon esprit, ce que je vois, c'est comme si on avait mis des noms. On avait écrit sur du papier des noms qu'on avait mis dans un canari ou dans quelque chose. C'est comme si on avait mis ton nom, inscrit ton nom sur un papier qu'on avait enfoui dans un canari, on avait mis des choses dessus. Mais pendant que nous sommes en train de dire je m'attends à toi, le canari s'est brisé. Là où ton nom avait été mis, ton nom a été retiré. Même si rien ne va dans ma vie, même si c'était échec avant, ce soir je proclame que c'est la victoire. Car mon Jésus, moi, je m'attends à toi. Et Jésus, Jésus, mon roi, mon libérateur, mon pourvoyeur, mon sauveur, ma délivrance, je m'attends à toi. Oh. De gloire en gloire. Regarde ce qui se passe en ce moment. Le Seigneur est en train de briser nos liens. Le Seigneur est en train de rentrer dans nos vies. Depuis notre enfance, à certains il révèle des choses. Parce qu'il est Dieu, il est en dehors du temps. Il voit tout, il sait tout. Et c'est comme si ta vie défilait devant toi. Et ce qui défile devant toi, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur te fait voir ta vie passée et te fait voir maintenant la vie présente et te fait voir ce qu'il est en train de faire avec toi. Dieu nous envoie dans les profondeurs de sa sainteté. Dieu nous envoie dans les hauteurs parce que nous devons aller plus haut. L'adorateur doit aller plus haut. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, des choses deviennent nouvelles. C'est la victoire. Il est dit dans Colossiens, il est dit dans le livre de Colossiens que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, Jésus l'a effacé par son sang. Il a traîné les principautés dans son cortège de victoire. Comme le berger l'a dit, nous sommes dans le temps de victoire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu
m'emmènes. Dis au Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dis de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. De gloire en gloire. Vois la gloire, vois la victoire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Victoire, Jésus. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Vois-toi en train de monter les échelons. Vois-toi en train d'être nommé. Vois-toi avec ton enfant dans ta main. Vois-toi avec ton mariage. Devant moi une table en face de mes ennemis. Amen. Il me oint d'huile parfumée. Il me oint. Il me oint, ça veut dire qu'il répand de son esprit sur moi. Donc nous voulons aller plus haut avec qui? Le Saint-Esprit. Le Seigneur va nous oindre de nous, au milieu de nous. Des directeurs vont sortir. Oh. Voyez, tout à l'heure, nous allons rentrer en langue. Nous allons commencer à chanter en langue. Pour que le Seigneur, pour que la corne d'huile. Et pendant qu'on va chanter en langue, la trompette va sonner. Parce que les anges sont postés. Il doit nous oindre. On peut prendre la décision, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, papa, nous ne pourrons pas avancer. Alors, nous allons chanter en langue pour que le Père pour nous prie. Pendant ce temps, toi, tu joues. Saint-Esprit, revêt-nous de ta gloire. Revêt-nous de ta gloire, Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons toucher soit marqué. Que tout ce que nous allons toucher soit impacté. Que l'onction de ta gloire nous relève. Relève les fondations en ruine dans chacune de nos vies. Rétablisse tes largesses et tes bontés. Tu lèves tous les obstacles, Seigneur, ce qui empêche à tes enfants de toucher ta bénédiction. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit.
souffre dans toutes ces réalités. Les corps qui sont les obstacles, et ce qui me vient à l'esprit, c'est comme c'est une personne qui s'oppose de manière unanime. On a décidé de te donner un poste, ce poste. Mais c'est comme s'il y a une personne qui s'oppose à cela. J'invoque le Saint-Esprit sur cette personne. J'invoque le Saint-Esprit sur cette personne. J'invoque le Saint-Esprit, fais-le avec moi. Invoque le Saint-Esprit sur cette personne. Que le Saint-Esprit marque tous ces dossiers, qu'il porte son empreinte sur tous ces dossiers, ces projets que tu présentes. Mais c'est comme si des portes, chaque fois que tu présentes ces projets, c'est comme des portes qui sont fermées devant toi. Invoque le Saint-Esprit avec moi. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur Esprit Saint. Toute la gloire. Que la puissance de ta grâce s'étende. Là où même nous n'avons pas invoqué, énuméré, toi tu sais que l'onction s'amplifie, que cette onction grandisse maintenant, que cette onction s'étende, que cette onction s'étende, que cette onction se propage. Nous t'élévons, Saint-Esprit. L'homme ne peut pas le faire. Toi seul es capable, Saint-Esprit. Ce que l'homme ne peut pas faire, tu le fais maintenant dans la vie des adorateurs. Tu le fais dans la vie des adorateurs. Tu déplaces les portes. Tu déplaces les limites. Te donnons toute la gloire, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour l'œuvre de ta grâce, Seigneur. Tout pour ta gloire, Saint-Esprit. Tout pour ta gloire, Saint-Esprit. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée d'être dans ta présence, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là et que tu agis dans ma vie maintenant. Alléluia. Oh. Commence à bénir le Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à le bénir. Remercie-le. Sois dans la joie. Sois dans l'assurance. Sois dans la paix. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sens ta présence. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sens la
joie dans mon cœur. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. En louange, mais avant de prendre ça en louange, je sais pas comment Salomon va programmer pour que ça soit en louange. Mon âme est rassurée là où tu es, commence à faire doucement. Mon âme est dans la joie. Une âme, hey. Oh oh, Salomon bloque d'abord un peu. Aïe, alors je veux bénir le nom du Seigneur. Pour tous les adorateurs, parce que je sais que Dieu accomplit des choses. Et il y a des adorateurs qui ont demandé, maman, comment est-ce qu'on peut soutenir le ministère? Nous sommes en train de faire passer, je ne sais pas si mon fils a pu faire l'élément, Landry, mais nous sommes en train de faire passer pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, pas moi, mais le ministère. Parce que beaucoup ont demandé comment est-ce qu'on peut soutenir. Vous avez vu que depuis qu'on fait les cheminements, on n'a rien mis. Mais parce que vous êtes en train de demander, alors nous faisons passer l'information. Et l'information peut-être s'affichera à la fin pour que tu saches comment soutenir. Si tu sens dans ton cœur, c'est libre. Mais j'aimerais qu'on bénisse. Ce que tu dois aussi savoir avant qu'on ne réjouisse, qu'on ne se... Restez connectés, tu dois savoir que le lundi, le matin, tu auras le cœur à cœur à 6h30. Et puis, nous aurons 3 jours d'action de grâce. Oh, je bénis le Seigneur pour mon époux. Nous aurons 3 jours d'action de grâce. Parce que pendant les 3 jours, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur avant de commencer le cénacle. Donc le lundi à 16h, le mardi à 16h. Les cheminements, c'est 16h30. Mais lundi, mardi, mercredi, nous allons louer le Seigneur à 16h. Parce que nous allons bénir. Et quand les témoignages vont venir, à 12h30, calmement, je vous mets les témoignages pour que vous puissiez écouter. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Dieu est fidèle. Tout va bien. Pardon, prends mon cantique. Tout va bien car Dieu est fidèle. Ça, c'est un autre cantique du RIA. 2019. Mon fils, tu poses. Je prends pour les adorateurs parce qu'au calme. Et puis, mon fils, mets le sas. Parce que les anges sont en train de se réjouir. Quelque chose s'est passé dans la vie des adorateurs. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien de mon âme. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur mon âme. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui conduit ma vie. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien de ton âme. Et tout va bien, car Dieu est fidèle. Tout va bien, car Dieu. Danser maintenant. Maintenant, on danse. Et puis commence à jubiler de joie. Hey, hey.